Téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur HTN, Asian Television Network of Connecticut. Nous c'est Emmanuel Witz d'Orest. Nous sommes vraiment contents d'être là, Caillou, pour être capable de présenter cette nouvelle édition et qui certainement, nous toujours dit ça, prêt à le faire plaisir parce que nous chargeons beaucoup la Pologne, tant que le proverbe l'a dit, pour émission ça. Tout d'abord, nous avons profité de mettre nous bien bas. Pour saluer et eh bien commémorer yon gros potorique garçon qui n'a façon pâle qui marquait l'histoire d'Haïti, mais malheureusement il était fauché le 17 octobre 1806. C'est empereur Jean-Jacques Dessalines, à tout honneur, tout seigneur, et eh bien nous retirer chapeau pour nous saluer qu'aucun chien garçon ça. Ensuite, nous connaissons que le mois d'octobre, c'est le mois et langue créole. Et nous avons profité de l'occasion ça pour encourager les Haïtiens qui vivent dans la diaspora pour ne pas négliger, pour eh bien apprendre à parler créole, parce que son avantage, nous te font interview et avec Artis Hollywood et Jimmy Jean-Louis, il était insisté pour Haïtien capable plus langue ou capable de parler la pibopo. Alors, rapidement, mais qui ça que nous gagnons dans Jacot? Nous, tout d'abord, tu as gagné une foire du livre qui t'est faite, c'est 14e l'année, depuis fois ça a ferraillé dans Ferguson Library, South and Branch, et nous t'es là et nous avons baou un extrait de comment ça t'est fait. Tu as gagné plusieurs intervenants et tu as gagné un gros samba qui t'est là. Et qui était chanté, c'est John Steve Brunach. Alors, et nous gagnons un pile d'informations que nous prenons le bas ou deux, trois nouvelles, une nouvelle qui a fait que tout le monde content sur Steve Brunach, surtout tout fanatique nous qui a suivi nous dans Internet. Alors, l'autre annonce que nous gagnons, l'autre titre que nous gagnons plutôt, c'est interview que nous réalisons avec candidat républicain pour magistrat, alors c'est ancien lieutenant-gouverneur, c'est Michael Fideli, eh bien, nous te recevons, lui, nous te posons deux, trois questions en ce qui a trait à la communauté haïtienne, et comme ça, on a gagné le plaisir pour garder, eh bien, interview ça. Alors, c'est deux, trois titres saillants avec l'autre. Ré les amis, n'a pas une pause et n'a tout. Thank you.
c'était prestation chorale Christois, et c'est eux même tout qui était organisé bel concert qui était fait dans Riporam pour aider cette là. Malheureusement, et en pile monde pas de faire déplacement et nous vraiment déplorer ça. Alors il y a plusieurs chorales, chorale Stanford, chorale Norwalk, chorale Bridgeport, chorale White Plains, et ensuite tu as gagné pasteur Desrounettes qui était là, et IBG Inspired by God, tout groupe ça yo qui ont performé. Alors ou nouer ou qui pat là ou t'es perdu en pile, et qu'on y a là, nous pouvons passer rapidement à Foire du Livre qui était réalisé dans Ferguson Library Southern Bridge. En effet, c'était, ça fait 14e l'année depuis que Foire là a commencé. Alors nous pas besoin de remonter et depuis dans Genèse Foire là comment elle a été faite, mais on croit que c'est un partenariat qui fait on capable dire une tête ensemble qui fait on colle les épaules qui fait entre APAC, qui c'est Association professionnelle haïtienne de Connecticut, ensemble avec Bibliothèque Ferguson, principalement Southern Branch. Son bel mariage, là depuis 14 ans, et nous sommes sûrs et certains que l'a duré. Alors, naturellement, tu as plusieurs intervenants, et bien auteur, monde qui était sorti Boston, qui était là, ça qui était sorti New York, qui était là, et comme ça, il était offert, il était fait présentation, yo, et côté parler de Livio, tu as gagné un poème, poésie qui était déclamé avec Denise Loture, Madame Roumé, qui sont docteurs, les gros PhD, que le fait à la Sorbonne, et tu as gagné Ed Reiner, qui était là tout, qui t'a parlé de la musique. Et nous connaissons que Charles Lucien, son monde que nous habituons avec lui, et c'est lui-même qui nous pourrait le faire, nous pourrait nous extraire de présentation naturellement. Dans les jours à venir, on a toujours des chances pour nous barrer de temps en temps où il y a un intervenant, un auteur qui a parlé dans la Foire du Livre. Alors, c'est comme ça, eh bien, n'a fort vive, eh bien, intervention de Charles Lucien et ensuite participation Artis Samba, John Steve Brunache. The end is my favorite show and bye bye. I love you, HTN. Les femmes poètes. Yon poète, c'est yon mambo, c'est yon mougan qui fait parole par son langue, qui fait parole par son vaccin, qui fait parole par belle. C'est un bon corps qui ferme tout petit bel son, l'alphabet en dans à son lit. Un bon corps qui compte jouer, j'en perds parole, qui compte bouler sous tête l'homme maman lit, juste qui fait tout aussi, tout nom tombe le roi. Un poète, c'est un mec minime linéaire qui trace les belles dans mes temps qu'à faire connaissance. À poussière fort, tout le bon poète qui mourit. Les Haitiens poètes, un poète, ils ont voulu Christ en Christus. Ou mes words sound like conchels, mes words sound like bamboo trompettes, et d'un word et tout, beautiful radar on beat. A poet, a wizard, who juggles wondrous literary sounds inside a magic jar. A wizard, who knows all 12 the most beautiful worlds, knows all the gem, the small drum of heavenly sound, and how to sail the blue on the deep of his mother tongue. Until always is. Our men and women poets are shining masters of midnight who draw magic symbols at the crossroads of knowledge. With the sacred dust of all past master poets.
crocodile, mais on fait tellement bien campé que l'Haïtien fait bruit avec Chemeville, les buildings, ça y est, trois bébés. Alors, dans mes buildings, ça, on est toujours au monté, descendre, m'a fait venir dans l'escalier, parce que c'est pas tout bloc, l'ascension marche bien. Bon, forme, il y a les camels, ou bonne forme, on a gagné, on a fait le 53 ans, on est facilement cabal plus, tellement qu'il était en gens fainés. Alors, quand même, les vignes bien avec, parce que chaque fois, vous bouchez les tontons bines, vous avez un paquet de vieux papiers, vous avez tout monté, comme il n'y a pas de casser les vieux papiers, vous avez deux sécurités, vous avez venu pour avoir une explication. Donc, il y a un peu expliqué, moi, que le plan de travail, bon, c'est à 5 heures du matin pour sortir dans Cambridge, pour le prendre plus, pour aller dans Central Square. Lorsque tu sais transport pour les gens, je crois par un pas pour le travail, dans le côté, on prend l'occupé de type grand monde. Alors qu'on a plein pour diable, qui est un petit grand monde blanc, qui connaît ma PC, qui est un nerf, qui dit qu'on y a un petit, soit des bouillons, soit des bouillons, mais des moins, même avec, même la chute à ce que tu as trouvé au hôpital, oui. Lorsque tu sais dans type job, petit grand monde, non, là, pour remonter, il y a 4h30 pour faire un stop dans l'hôtel pour travailler 4h30 jusqu'à 8h30 du soir après le voyage. Pas demander dans des conditions que ta mère, pendant 13 à 14 ans, la montée des centres pour ça faire deux jours. Pour qui ça? C'est parce que tu es quitté derrière. L'idée qui était en Haïti, certifieux avec. Quatre nièces avec ton petit neveu, c'est lui-même qui a occupé ça, vous et Tichette, tout le monde, chaque fois dans votre express. Le fini premier, quand même, c'est que l'autre bagarre était quitté derrière. En 1991, le temps des nouveaux présidents qui montaient avec espoir que mon changement va être le pays, quand même plongé à l'acheter terre, il dit pour le préparer deux jours pour le battre en caille. Mais l'autre arrivé dans les petits pour l'acheter terre. Nous avons fait des contributions, dans l'archive, tout côté, bagaille. Donc, si on l'a pendant nos contributions, quand mon cher ou les mouchers de Franck, qui voient qu'il nous aide, il est trop d'huile. Mais l'homme dit qu'il est trop d'huile, M. Lefranc a des cafés, il rallonge en pousse, et puis il longe au cap, pas mal à l'enfant. Mais l'homme dit au cap, dans le cap, la mouchère lit poète, lit traducteur. Les avocats, les officiers de l'état civil, les notaires, les inspecteurs communaux. Donc, vous pouvez comprendre, le mot chez les fondateurs de l'Israël, Raïchel dit dans le blanc, en deux temps, trois mouvements, il doit régler, traiter tout problème pour Madame Le Franc, et puis sortant derrière, Madame Le Franc jouait le papier terre pour rentrer dans Boston. Mais Madame Le Franc, ça m'a parlé de notre entraînement par Cambridge. L'homme qu'on m'a dans le français, on reprend chaque dimanche la vie, il met des petits bouts de tac, tac, bras, il met des mêmes petits souliers ou de talons tout, il fait le saillot, la lente charismatique. Donc c'était Gilbert Labadi, c'était Jérémy que Madame le Franc connaît. Mais depuis Madame le Franc est rentré, sorti à Haïti, rencontré l'inspecteur communal, son seul question de nana au secours, il reprend Madame le Franc, c'est je suis. Et je prends le c'est pas dans la Moscouri, Madame le frère Jean Bécoumien là, nos questions d'eux, on a bien mis des sous mon monde. Mais alors, tu as chanté Jean Bonnet là, non? C'est bien donc sur mon monde. Pour qui ça? C'est que Madame le frère commençait mon équipe lettre qui a pu entrer sortir en Haïti de l'inspecteur communal et ce sont des lettres, oui. Oh. Mais le Yes, guys.
Comment nous avons dansé, nous avons chanté avec Samba, John Steve Bounach. Alors, nous avons profité des téléspectateurs. John Steve Bounach, sous peu, la travaille son CD et sous peu, CD ça, la psauti. Et il a déjà fait une confidence que le premier côté de la main, eh bien, fait 20 signatures, c'est à Stanford. Alors, nous avons fait arrangement avec John Steve. Alors, nous avons gagné l'autre information. Tout pour nous connaître aux États-Unis d'Amérique, un peu partout, dans l'Amérique, et bien, il y a élection le 5 novembre, élection pour magistrat et pour l'autre board finance, tout bagaille. Alors, c'est comme ça, et bien, nous inviter, nous encourager tout Haïtien à la Ronde Badet pour aller remplir de voix civique. Si on a un bagaille que citizenship là-bas, nous nationalisons, naturalisons, eh bien, lui permettre que nous voyons rechercher par nous en Haïti, lui permettre nous jouer quelques avantages que le pays a offert nous, lui permettre aussi pour nous capables participer dans le processus démocratique là, nous capables à voter et gagner même dans nous, si nous avons candidat, eh bien, nous capables à le voter quand nous capables aller eh bien inscrit pour un candidat à un poste ou à un lot. Alors, le 5 novembre, c'est pour l'élection pour élu un magistrat. Nous connaissons que un magistrat dans la zone, c'est le premier citoyen de la ville, c'est Potomitan. Eh bien, villa, toute disposition qu'a prendre en villa, il doit passer par magistrat. Et nous connaissons que des magistrats, gagné dans ville, gagné magistrat, gagné des magistrats qui très forts, ils ont même gagné droit de veto parce que ces magistrats, c'est le chef de l'exécutif dans la zone côté que la ville là. Alors, dans Stanford, nous pas gagné un magistrat et qui faible, nous gagné un magistrat qui fort. Alors, comme ça, nous inviter tout le monde pour participer à remplir de voirs citoyens. Alors, c'est comme ça, nous avons gagné une possibilité pour nous faire semaine passée où tu es, eh bien, candidat démocrate là, dans HTN, il était faux statement, il était invité la communauté pour voter pour lui, et qu'on y a là, nous parlons fort vivre une interview que nous avons réalisée avec candidat républicain, c'est Michael Fideli et c'est Pascal Millien, lui-même qui est responsable, eh bien, association Femmes Haïtiennes dans Connecticut, eh bien, qui t'a servi nous d'interprète. En garder ensemble. Alors, Nabdi et M. Michael Fideli, bonsoir et bienvenue sur HTN. Bonsoir. Alors, pour les gens qui peuvent reconnaître ou qui peuvent découvrir qui est que vous êtes, alors est-ce qu'on est capable d'introduire à la communauté haïtienne? For those who do not know you yet in the Haitian community, would you like to introduce yourself to them? Yes, absolutely. I came to this country 55 years ago. I immigrated when I was 3 from Italy, and we landed here in Stanford. I went to all Stanford public schools. I started a business here 30 years ago, and also participated in government, and that takes me to this road here as mayor. Donc, il était dans ville Stanford là. Il vit dans zone Stanford là depuis le âge de 3 ans. C'est un immigrant qui sorti d'Italie et il a 55 ans. La ferraille dans la communauté ça. Et il y a un business qui tourne dans la zone et avec expérience dans le gouvernement. Alors nous connaissons M. Michael Fideli, où tu es lieutenant-gouverneur et qu'on y a là,
ou c'est candidat pour magistrat. Qui ça motive ou qui fait que vous venez poser candidature pour magistrat? So he knows that you were a lieutenant governor, mm-hmm. and right now you are a candidate for magistrature, mm-hmm. mayor. Mayor. And then he wanted to know what motivated you in applying for such endeavor. Sure. Well, when I was growing up as a young man, my family showed public service to help people, and I've just continued that. My role in government is to help everyone in our community, when I was lieutenant governor, everyone in our state, and it's just a continuation of what I've learned as a young man to be a public servant. Donc il est lié au jeune homme, il est joint encadrement avec tout le monde dans zone dans environnement, c'est aider taper des communautés, c'est servir taper servir. Donc pendant la grandi, c'est ça l'expérience. Donc Kounia de continuer non seulement à faire même travail à faire, donc c'est ça qui fait continuer à être attaché dans le service, dans le gouvernement. Bon, d'après vous-même, qui est le plus gros challenge, le plus gros problème que les résidents et qui vivent dans Connecticut et dans Stanford a fait face? From your point of view, what are the biggest challenges that the people living in Stanford, in Connecticut, are facing? Jobs. And affordability to live within the community because there aren't as many jobs, and Stanford's a very expensive community to live in. Donc, ça y pense, c'est pour les balances, c'est travail et puis habilité pour monde qui était dans zone là, suivi parce que comme on connaît que ville Stanford là c'est une zone qui est très difficile pour qu'à rester là dans parce que c'est cher. Alors, nous connaissons que Stanford c'est une ville qui est diverse. Alors comment est-ce que d'après vous-même, à partir de recherches, est-ce qu'on pense que les minorités sont vraiment représentées dans la ville de Stanford, particulièrement et communauté haïtienne? So how do you know that the city of Stanford is a very diverse community? And how do you think that the community is Est-ce que d'après recherche, est-ce que minorité est vraiment représentée dans ville? From your understanding, do you think that the Haitian community, the minority community, is well represented in that city? Well, I think what makes Stanford so great is the diversity of the city. And I think there's a great opportunity for the Haitian community to rise and continue to grow within our community, be part of that diversity, and be a voice in our community through government and through social programs. Donc, comme on connaît que ville Stanford, c'est une ville qui est très diverse, et c'est la force du rété. Donc, c'est une opportunité pour la communauté haïtienne et bénéficier de travail social, de programmes qui viennent dans la zone pour bénéficier de la donnée. Donc, c'est une bonne opportunité pour qu'à alors nous connaissons que bon, des problèmes d'éducation et surtout nous avons toujours parlé de grand écart qui existait et celui de monde qui vraiment parents gagné moyen et mais grand l'autre parents surtout minorité et grand cap qui existait dans affaires d'éducation. Comment vous même en tant que magistrat ou pas le travail pour capable réduire et gap ça? As a mayor, how do you think that you can work in helping with the education gap that exists? Because there are families who can afford a better education, but there are other families that cannot, and especially those in the minority. Yes. One of my roles as mayor is to find the money so that all our children, irrespective of income, can have a preschool education, 3 and 4 years old, so that when they get to kindergarten, they're prepared to learn and be productive citizens in kindergarten. Donc, une des focus qui est pour la communauté dans les affaires d'éducation, c'est plus pour les gens de 3 à 4 ans qui avant rentrer dans le kindergarten, pour qu'ils aient une éducation avec j'arrête leurs besoins, pour les rentrer dans l'école système, pour qu'ils aient un bien travail, pour qu'ils aient des problèmes d'éducation, j'ai dû supposer gagner. Alors, pour la communauté haïtienne particulièrement, nous connaissons que dans la city, dans la ville de Stanford, il y a plusieurs bords. Il arrive que pas jamais bon haïtien qui présentait qui chita nombre et qui ça ou même sous arrivé et magistrat ou pour le faire pour encourager haïtien pour venir participer dans boîte zone. In the Stanford community there are several boards, mm-hmm. Several committees, and there is never a Haitian representing that community. And as a mayor, what could you do in helping that so the Haitian community can be represented in any of these boards? As mayor, I will make sure that we have Haitian representation and quite frankly representation of our diverse population
in the commissions and boards that work in our city. Donc en tant que maire, ce qui passe, première priorité, une priorité, c'est pour le café que non seulement la communauté haïtienne joigne représentation dans n'importe comité avec board qui vient exister, dans la commission qui existe dans la ville de Stanford-Land, mais pour toute minorité autour, joigne voix autour dans la ville de Stanford-Land pour dire après. Alors, qui ça, en tant que magistrat, vous pouvez le faire différemment de l'autre magistrat qui existe? And while in the book fair, a young woman asked him to ask that question, is what would you do differently than the mayor that was there previously? I'm going to be much more of an outreach person, particularly in the immigrant community of all nationalities, because that's who I am. And this great nation, this city, and this state has been built up by immigrants in our cultures, our language, and who we are as we became Americans. Donc, ça va le faire, c'est une bagaille qui va le plus accentuer dans intégrer la communauté avec les différents immigrants qui viennent, parce que lui-même, pour le parler, c'est un immigrant. Et ville Stamford, c'était Connecticut là, avec pays ça, c'est un pays qui construit sous dos immigrants. Donc, c'est rôle ça, c'est pour intégrer les gens qui vivent dans la communauté, pour participer dans le gouvernement. Alors, sous notre ça, on a dit, et candidat Michael Fedeli, merci. Alors, nous parlons sur le dernier mot, avec téléspectateurs. I want to say thank you, and if you have a last word you would like to say. Well, merci, and it's thank you for giving me this opportunity to speak to your community, and I hope that when they look at the candidates on November 5th, that they will choose me, a candidate who brings 30 years of their own business experience here in Stanford, 18 years of diverse government experience within our state, and 55 years of roots and values that we all share as immigrants. Donc, lui a dit communauté, merci, et puis t'as espéré que le 5 novembre, nous allons voter pour nous songer pour nous voter pour lui, parce que lui c'est un candidat qui a 30 ans d'expérience dans le domaine business, communauté, qui a 18 ans d'expérience en travail et dans le gouvernement, et puis il a 55 ans depuis qu'il a enraciné Colli dans Stamford, côté la travail avec côté la vie avec la famille. Donc, le 25 novembre, il a remis son bel rendez-vous pour nous non seulement voter, mais pour nous choisir. Alors, sous notre salle, nous dit candidat merci et Nab dit tout. Et Pascal, qui fait un gros job, interprété pour nous-mêmes. Merci. Merci, Wade, et merci, téléspectateurs, et merci. Play on love.
Communauté A, tout d'abord, nous gagnons plusieurs annonces. Pasteur Joseph Charles de l'église méthodiste libre de Stanford fait toute communauté à connaître. Et bien, dimanche 4, 10 novembre, pour arriver dimanche 17, il invite aux non-semaines, côté que les baptisés semaines A, semaine de résurrection, la commencer à 7h, tout le monde invité, et c'est pasteur Léon Alexis de l'église baptiste d'expression française de New Haven, c'est lui-même qui a prédicateur pour toute semaine. L'autre annonce que nous gagnons, eh bien, c'est pasteur Pierre d'Haïti de l'église baptiste, communauté de foi de Bridgeport, qui fait tout le monde connaître dimanche 10 novembre pour arriver vendredi 22 novembre. Il y a gagné un réveil annuel. Et thème réveil là, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu selon Jean 11, verset 40. Et en dimanche, alors, réveil ça, chaque soir, a commencé à 7h pour finir à 9h du soir. Et l'autre gros bagaille là, eh bien, c'est en dimanche, dimanche cap 24, c'est le ça, a gagné fête de moisson, a commencé à 2h dans l'après-midi. Et c'est pasteur Léon Alexis de l'église baptiste d'expression française de New Haven, c'est lui-même qui a prêché, eh bien, dans Faites-moi son ça. L'autre annonce que nous gagnons, eh bien, c'est frère Reynold Deris qui fait tout le monde connaître, eh bien, concert, cadeau, nous capable de dire, de fin d'année, eh bien, pour aider les enfants pauvres d'Haïti. Eh bien, la fête dans l'église baptiste d'expression française que pasteur docteur Emmanuel Saint-Just a dirigé, eh bien, c'est Mascouaïa qui a animé concert ça. Et concert ça a fait à un prix dérisoire de $10. Et pour toute information, ou capable de contacter avec un frère Reynold Deris dans le numéro ça 203-550-29-36. Alors, l'autre annonce que nous gagnons, selon confession catholique, là, année ça, il y a l'année de la foi. Et c'est comme ça, il y a gagné un week-end qui est vraiment extraordinaire, qui a fait, a commencé depuis dans l'église. Eh bien, Saint-Joseph a gagné une grosse messe et nous avons dit, gagné deux gros mouns qui ont là, c'est Monseigneur Romulus. Eh bien, évêque de Jérémie, Capvini, et nouveau monseigneur, Bishop Frank Cagliano, eh bien, Capla. Eh bien, 23 novembre à 7h, eh bien, tout catholique et tout l'autre monde qui t'a aimé venir participer, eh bien, messe là, c'est dans Saint-Joseph-Lapierre à 7h, et samedi, cap 23 novembre à 7h30, eh bien, c'est à bon veiller dans Bridgeport. Et dimanche cap 24 à 8h du matin, eh bien, c'est une grande première qu'a faite dans le centre catholique là. Eh bien, c'est deux monseigneurs qui ont célébré messe là dans le centre catholique là. Eh bien, c'est Monseigneur Romulus et nouveau bishop qui remplace Bishop Laurie qui. Blori, qu'on y a là, Bishop Blori, c'est archevêque lié. Eh bien, c'est Monseigneur Willy Romulus avec Bishop Frank Cagliano.
eh bien, cap célébrer mes cap fête dimanche cap 24 novembre nan, à 8h du matin dans centre là. Alors, n'a profité dit nous mes amis, tout le monde nous connaît, en pile monde a sauté Norwalk, en pile monde a sauté Bridgeport et gen monde tout cap sorti White Plain pour venir. Mes amis, prend pile précaution surtout dans mouvement parking nan. Depuis nous venir, pas faire des ordres et gen possibilité pour nous parquer gen l'autre zone. Mande PA, mande moun ki nan l'église là qui côté pour nous capable parquer, parce que si c'est New York nous y nous t'appel dans l'église, nous t'es capable marcher 4 blocs et gain gros parking qui l'autre côté. Mande information pour nous pas créer un bouteillage nan, et bien nan centre-là, parce que nous croyons que bon Dieu grand maître nous son bon Dieu qui gain l'ordre, et nous t'a souhaité que tout le monde qui vini nan gros messe et bien pour yo mettre, pour yo comporter ou bien pour yo pas parquer machine yo n'importe gens pour son monde besoin aller, pour yo capable aller. Et dans dimanche dans la soirée, eh bien il y a clôturé année de la foi ça, eh bien dans l'église Saint-Charles. Mes amis, c'est toute annonce ça yo que nous gagnons. Alors nous croyons que mois de novembre dans les chargés, et gain d'autres annonces encore que nous gagnons pour nous barou, parce que nous connaissons que un gros gala que l'église Christ sanctifié du ministère haïtien gain pour fête dans mois de novembre tout. Et dans la prochaine émission, nous n'avons plus d'informations. Alors, c'est la nouveauté dans cette fête. Nous avons une petite pause et nous avons tout. Il n'y a pas les délimités, mais il y a pas l'esprit.
sont gardés, nous croyons que nous prenons note. Maintenant, nous te parler, nous dit que moi, c'est moi créole, c'est moi langue créole, mais malheureusement, nous connaissons que dans le même temps que nous avons célébré créole là, comme langue, mais nous n'avons pas pleuré tout l'assassinat crapuleux de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, lui-même le fondateur de la patrie. Côté que nous pensons que, et grand pile historien qui dit ça, peut-être si c'est pas ta crime ça, nous pas connaît comment Haïti t'a devenu, parce que n'a payé le prix de l'assassinat de l'empereur, lui-même qui était gourmé ensemble avec l'autre général Lio, pour être capable de faire Haïti indépendant, mais indépendant ça, après que le défi est réalisé, eh bien, tu viens de gagner une guerre fratricide, côté que l'un a tiré l'autre, et comme ça, empereur, complot à droite, complot à gauche, et depuis les Satou, eh bien, c'est une scène de déchoucage, et c'est ça que fait, nous gagnons Lionel Paquin, qui écrit un livre, qui relève quand la nation demande des comptes, côté que la fait histoire déchoucage, depuis sous tout son ouverture, rivé, jusqu'à époque contemporaine. Fok bagay sa yo suspend pour afin de bail crasé brisé capable éliminer. Alors c'est comme ça. Alors téléspectateurs, nous pral faire nous pral mettre un bout à programme nous pour Jolia. Alors nous attendons eh bien aidou, n'attendons support, nous t'ai toujours dit et la Bible a dit dès pour frapper il y a ouvri pour vous, nous frapper, mais malheureusement, nous te pensons nous t'avons en pile porte l'ouvrir, mais c'est deux, trois portes, et nous dit à moun qui comprennent l'activité, qui comprennent le travail là, nous disons merci, et nous attendons d'autres mondes qui font nous des promesses, et nous sûr et certain, ce n'est pas des promesses fallacieuses, ce n'est pas gros vent qui l'appli, mon seul bagage nous dit, nous frapper, et qu'on y a là, nous pourrons le dire, nous pas frapper encore, c'est pas parce que nous satisfaits de ça, nous joignons, nous satisfaits quand même, c'est pas que nous pas gain besoin, mais qu'on y a là, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alors qu'on y a là, nous te frapper, qu'on y a là, nous attendons en silence le secours de l'Éternel qui certainement l'a venu. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et les deals, depuis nous demander, eh bien, n'a pas recevoir. Et si on petit demande papa, yon pain, n'est pas quoi que papa a bali yon wash. Alors, mes amis, c'est sous notre ça que n'a quitté où nous dit tout le monde qui t'a gardé chaud, merci, et tout le monde qui supportait nous déjà, et tout le monde qui disposait pour supporter nous déjà dit merci, parce que au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Alors, nous quittons, nous dit tout le monde bonsoir, et nous avons l'autre, si bon Dieu, bon nous la permission.